Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul demi-verre me semble peu de chose. Oh. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un seul mec. Qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donnons vite aux dios. Je sentais mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les verres sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Laissez-le donc lire. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie, de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi, eux. Oh, le joli début! Qu'il a le tour galant! Oh, lui seul des vers aisés possède le talent! Imprudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement! Ces deux adverbes joints font admirer. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie, de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi, Prudence endormie. Loger son ennemi superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. Oh, tout doux. Oh, laissez-moi de grâce respirer. Laissez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. Ce sang assez vert, jusque au fond des larmes, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se Fais de la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement, et là je lui mentis, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites de la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. Oh, c'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Oh, je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Oh, il vendre d'une pièce. Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Faites la sortie, quoi qu'on dit, que de la fièvre, on prenne ici les intérêts, mais aucun égard. Moquez-vous des cattels. Faites la sortie, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Et quand vous en avez-vous ce charme? Avez-vous compris, oui. Vous, toute son énergie, oui.
interrogiez vous bien en vous-même avec tout ce qu'il nous dit et pensez-vous alors y mettre tant d'esprit. Oui. J'ai fort aussi l'ingrat dans la tête. Cet ingrat de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Oui. Venons-en promptement au tercier. Oh, oui, oui, oui. Oh, s'il vous plaît, encore une fois. Quoi qu'on dise. Ah, faites-la sortir, quoi qu'on dise. Quoi qu'on de votre riche appartement. Riche appartement. Où c'est ingrate, insolemment. C'est ingrate, fière. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang. Elle se prend à votre sang. Et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain. Sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On se meurt de plaisir. Oh, de mille et doux frissons. Vous vous sentez saisi. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. Là, noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. C'est un petit chemin tout parsemé de roses. Le sonnet donc vous semble admirable, nouveau. Et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi ? Sans émotion pendant cette lecture. De la manière sur étrange figure. Chacun fait ici bas la figure qu'il peut et belle est-il, ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent. Quoi ? Je n'écoute pas. Voyons l'épigraphe. Sur un carrosse de couleur amarante donné à une dame de ses amis. Oh, ces titres ont toujours quelque chose de rare. Ah, son beau trait d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour. Si chèrement m'a vendu son lien qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en... Boss. Qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Malaïs, voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut un million. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, ne dis plus qu'il est amarant, dis plutôt qu'il est de ma rente. Oh, celui-là, je ne s'attends pas du tout. On n'a que lui qui nous secoue. Je ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est de ma rente.